Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Slice et on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Et on est sur Apiricube, je suis pas en compagnie de Randon. Mais c'est pas trop grave. Enfin, remarque, je vais peut-être être en compagnie de lui dans la suite de l'épisode. Pour commencer, on va brûler ses vaches. Enfin, j'ai pas regardé, sinon il y en a pas mal. Toc. Oui, donc j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, je m'en excuse. Je vais reprendre un rythme normal comme avant, donc deux, à peu près deux vidéos par semaine, même trois si je peux, mais deux déjà, ce serait bien. Et du coup, bah déjà pour commencer, je vais vous montrer ce qui a changé sur à la base. Et il y a pas mal de choses qui ont changé aussi sur Apiricube, donc je vais vous en parler après. Bon, ça a pas changé, il faut encore que je fasse le deuxième étage. D'ailleurs, on pourrait le faire aujourd'hui, là, dans cette vidéo. Je vais voir après, parce qu'en fait, je sais pas encore ce qu'on va faire, hein. Randon a fait une usine à patates, mais je sais pas comment je vais la décorer parce que... oui, parce qu'il faut laisser des blocs transparents au-dessus. Donc ça va sûrement rester comme ça, en fait. Voilà. Tac. Là, c'est pour mettre des combustibles. Vraiment, je vais mettre ça. Et là... Ok, ça opère. Et en dessous, il y a un four, normalement. Ok, ça va encore plus loin. Je vais pas aller voir, mais en... Il y a un four qui cuit les patates et qui les remonte ici. Tac, donc il a fait ça. Ça a pas changé. Non, c'est toujours pas décoré. On pourrait aussi faire ça dans l'épisode. Je sais pas ce qu'on va faire. Oups, fail. Tac. Ouais, ça a pas changé. On a toujours une belle vue sur ce truc qu'on va sûrement aménager par la suite. Voilà. Je reprends Apiricube et vraiment je vais être plus actif, faire plus de builds. Et je pense aussi commencer le build à la base ici. Comme je faisais plus trop à la base là. Enfin bref, je vais vous parler de tous les trucs que je veux faire. Déjà on va redescendre. Hop. Là rien n'a changé, il y a toujours un tas de coffres, mais... Ça va pas durer, vous allez voir pourquoi. Là, il faut que je fasse un toit asiatique au-dessus du tuyau en verre que j'ai toujours pas fait. Là, c'est une usine à pastèques qui... où il faut que je fasse le toit. C'est Randon qui l'a fait, l'usine. Bon, elle produit pas mal, mais je crois que c'est surtout... Enfin, c'est pas pour la bouffe, c'est vraiment pour faire des potions de heal, je crois. Ouais, donc c'est pas mal. Faudra que je décore ça. Après, là, ça a pas trop changé. Là, vous avez vu, j'ai eu le jump boost. Vous allez comprendre pourquoi. Attendez, déjà. On a un rayon de beacon là. Et normalement, je crois qu'on peut le voir d'ici. Attendez, on va reculer un peu. Voilà, vous avez vu. Attendez, là voilà, on le voit. On a deux full beacons. Vous allez voir pourquoi. Notre petite tanière souterraine, d'ailleurs, qui est pas fermée. Tac, fermée. Randon a fait ça, je sais pas si on le changera, on verra bien. Et attention, voilà ce que Randon a commencé. Gros projet, donc salle des coffres full auto. Je vous explique pas comment ça marche, parce qu'il va faire une vidéo dessus. Donc en fait, on a un coffre, on pose tous nos items dedans, et tout se trie automatiquement dans les coffres. Donc c'est lui qui a fait toute la salle, moi j'ai juste aidé à faire les tris d'items, mais sinon c'est lui qui a creusé toute la salle, qui a fait... J'ai aussi un peu aidé à faire les patterns, mais il a fait la majorité des trucs pendant que j'étais pas là. Donc là on a déjà un full beacon avec jump boost, que ça nous sert pour aller plus haut. Voilà, après au niveau des villageois là-bas, on a arrêté le breeder, parce que, je sais pas, Randon l'avait arrêté. De toute façon, il était un peu mort, je crois, on sait même pas pourquoi, mais en tout cas, on avait tous les villageois de rempli, donc c'est pas si grave. Et du coup, je crois que pour la base, il y a que ça qui a changé. Enfin, que ça. C'est déjà beaucoup, mais voilà. Ah oui, aussi, je vais vous montrer ça. C'est notre mine. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus pratique. Hop, merde, je me suis failli, mais c'est pas grave. Voilà, on a S2. Ça se casse en instant. J'ai pas envie de prendre ta viande. Donc voilà, en fait on mine comme ça.
Et hop, dès qu'on trouve des diamants, on les prend, puis après on va les miner à la fortune. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est du n'importe quoi, mais c'est bien. En 1 heure, on se fait une trentaine de diamants. Enfin, à la fortune 3, parce que sinon on se fait, je sais pas, une quinzaine de minerais environ. Puis après, on mine à la fortune, puis on se fait une trentaine de diamants. Donc ça, c'est bien rentable. Du coup, ben là, c'est tout, par contre, je crois. Donc après, au niveau du serveur, qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses aussi. Xenon, donc le créateur du serveur, nous a quittés parce qu'il fait plus de vidéos comme ça en survie. Il fait que des vidéos d'humour maintenant sur Minecraft ou même sur d'autres jeux. Bon, c'est pas parce qu'il a quitté c'est pas parce qu'il a quitté le serveur que vous devez vous désabonner à sa chaîne. Hein, vous pourrez aller voir ce que je regarde ses vidéos, c'est marrant quand même. Et du coup, c'est Randon qui est passé chef du serveur, donc ça c'est bien. Un petit Randon. Et du coup, voilà. Pour l'info, donc il n'y a plus que Xenon. Mais je pense que je vais. Sa maison steampunk au spawn, je vais la reprendre. Je pense que je vais la reprendre et je vais la finir. Et du coup, il y a plein de projets à faire. On a la zone du mini-jeu. Ah oui. La zone de mini-jeu, j'avais tourné une vidéo, j'ai fait le premier jeu, et en fait la qualité du son de mon micro était... Enfin, le son de mon micro était beaucoup trop bas, donc on m'entendait pas, et j'ai supprimé, mais Randon a filmé, je sais pas s'il va le mettre en ligne, mais Randon a filmé. Mais du coup on fera la déco ensemble, et je vous expliquerai quand même le système, comme c'est moi qui l'ai fait le système. Mais je pense pas qu'on va y aller aujourd'hui. Ouais, je pense pas qu'on va y aller aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je sais pas, on fait soit. Le soleil se couche. On fait soit. Est-ce que je peux passer par là? Oui. Soit on fait le premier étage de l'usine à canne à sucre, là. Soit on fait la déco de l'usine à pastèque ou. Ok, connexion lost. Merci. Soit on fait la déco de l'usine à pastèque ou soit. Soit on peut faire un bâtiment au spawn que je dois faire. Enfin, c'est le bâtiment du portail du Nether. Je vais le faire depuis un petit bout de temps. On va peut-être faire ça. En tout cas, je sais pas. Je pense que je vais faire une ellipse. Je vais réfléchir. Et on se retrouve juste après. Donc à tout de suite. Et je serai même peut-être en compagnie de Randon. On va voir. Donc à tout de suite. Et on se retrouve au spawn pour faire la décoration de ma maison. Je suis en compagnie de Randon. Bonjour. Et toi, je sais pas ce que tu fais. Rien. Ok. Ouais, en tout cas, je vais faire la maison et je ferai des petites coupures de séquence. Donc c'est parti. We'll be right back.
Et voilà, on se retrouve. J'ai fini la déco du sous-sol. Le rez-de-chaussée, je le ferai hors caméra, je pense. Et du coup, Randon aime bien, c'est super. Je pense qu'on fera pareil chez nous. Du coup, il a dit, et tu me remets ça comme c'était. Et au bout d'un certain temps, quand même, il a réussi à nous faire ça. Et c'est magnifique, vous voyez, j'arrive. Hop, non, attendez, on le refait. On refait la scène, hop, voilà. J'arrive, je veux décorer. Oh, mais non, j'ai oublié de faire mes sticks. Hop. Tac. Et là, et ben voilà, j'ai mes sticks. Et hop. Tac. Et c'est magique parce que les autres boutons, ils font rien du tout. Ils font rien du tout, c'est magique. C'est magique. Regardez, c'est génial. Hop, on a une table d'enchantement. Vraiment génial. J'ai pas d'outil à enchanter, mais c'est pas grave parce qu'elle est géniale, ok? Et de toute façon, elle me servira pas à enchanter, c'est de la déco. On a des petites plantes. Ça, c'est un bonsaï, on va dire. Ça, on va dire que c'est je sais pas quoi parce que je connais pas les plantes, mais vous vous taisez. Voilà. Et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Allez voir la chaîne de Randonkill parce que regardez les beaux systèmes qu'il fait. Hop, on Ouais. recommence. Tac. Abonnez-vous à sa chaîne parce qu'il a bientôt 100 abonnés. Il faut qu'il les ait. Voilà. Et commentez pour me dire si vous, je sais pas, si vous avez quelque chose à dire. Voilà. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. Ce sera à la base, je pense. D'ailleurs, on va aller le tourner tout de suite avec Randon parce que là, je refais des vidéos à mort et tout. Et puis, ça va être génial, ok? Donc, du coup, à la prochaine.